سي عبد الله يا رمضان، سي عبد الله يا رمضان. هاوي سنتر 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 دو فيل de Nevers. Julien Loïc sur RTL2. Le son de ça ressemblait énormément à la planète Terre. Il y avait des océans, elle est composée... Il aurait pu y avoir de la vie humaine. Mais enfin, humaine. Animale, voilà. Il n'y a jamais eu. Bah, sans, on ne sait pas en fait, ils sont en train de faire des recherches. Tu es allé à Vénus toi? Bah voilà. Ouais. Oh, T'es allé sur Vénus il y a 700 millions d'années? Non, je ne crois pas. Donc il y a eu un réchauffement climatique hyper balèze. Tout le monde, enfin a priori s'il y avait des gens dessus, en tout cas tout s'est terminé. Et aujourd'hui il fait à peu près 470 degrés, mais à l'époque il faisait entre 20 et 50 degrés. Donc a priori, bah écoute... On avait peut-être des voisins sur Vénus, quoi. Vous êtes vachement sur le climat aujourd'hui. Mais n'importe qui dit ce qu'il veut, en plus, là. Pauline, tu peux vérifier. Hein? Pauline, on commence pas à saloper le travail des autres. C'est vrai que... Alors, Mani Kandig, Al-Hajj, j'ai l'Hajj. Mani Kandig, Al-Khir, non, Al-Hajj. يلا إلا سبعت كتبس الهج سعد الله صافي شوف راه عندها زعما الساك وراك حيدر صافي دوخ بلادي دوخ يا المهم الجولة في حسب ان شاء الله في باريس ان شاء الله باذن الله الله يبارك Avec l'âge, ma peau change. Elle devient plus fine, plus sèche. Elle perd de son éclat. J'ai cherché un soin anti-âge à la fois efficace et naturel. Ma pharmacienne m'a conseillé Nuxurience Gold de Nux. J'en suis très contente. Ma peau est plus ferme, plus lumineuse. Le dérangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison. À retrouver en magasin et sur gautier.fr. Temps gris et pluvieux demain avec des pluies sur le sud-ouest, le nord-est. Plus à l'est, la matinée sera encore lumineuse, mais les nuages vont arriver l'après-midi. Partout ailleurs, ce sera nuagé, éclairci. Beaucoup de nuages du côté de la Manche. Les températures 15 à 24 du nord-ouest au sud-est. La météo ultramarine maintenant, Sébastien Elias. On commence par les Antilles qui vont voir l'arrivée d'une onde tropicale. En Guadeloupe, le ciel va se charger. La journée sera émaillée d'averses localement orageuses. Les averses et les orages seront plus marqués la nuit suivante. En Martinique, le temps va également se dégrader progressivement avec de plus en plus de nuages qui donneront naissance à des averses et s'accompagneront d'orages, devenant plus soutenus au fil des heures. En Guyane, ce sont de petites ondées qui aborderont le littoral en début de journée alors que la matinée sera ensoleillée dans l'intérieur. L'après-midi, la zone côtière va retrouver des éclaircies alors que dans les terres, il faudra composer avec quelques averses, le risque d'orage restant faible. Enfin, la Réunion, après une matinée largement ensoleillée, les premiers nuages de pente vont commencer à fleurir. Les éclaircies résisteront bien, hormis sur les hauts du nord et de l'ouest qui auront des nuages prédominants et même quelques gouttes. Le ciel va tout de même se dégager pour le départ de la Diagonale des Fous. Merci beaucoup Sébastien Léas. Excellente soirée. Vous écoutez France Info. Merci à vous. Les 23h. France Info. 21h minuit. Julien Langlais. L'info.
l'info à 23h avec Frédéric Beigneada. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et on commence avec la mise en garde d'Emmanuel Macron contre les risques de guerre civile dans le retour de la polémique sur le port du voile. La mise en garde contre les amalgames, entre les questions d'immigration, de radicalisation, de laïcité et de communautarisme. Emmanuel Macron qui a dîné ce soir à l'Elysée avec Angela Merkel. Rosa La Cruz condamnée à 5 ans de prison ferme, reconnue coupable d'avoir caché et privé sa fille de soins, Serena. La fracture sociale qui s'aggrave en France et puis la situation plus que jamais tendue entre Paris et Téhéran. Il avait laissé entendre qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet, mais il est finalement sorti de son silence pour la première fois depuis vendredi. Et l'agression verbale dont une maman voilée a été victime au Conseil régional de Bourgogne, Emmanuel Macron a déclaré vouloir éviter toute stigmatisation après la polémique relancée sur le port du voile. Ce soir, le chef de l'État a mis en garde contre les amalgames, entre les questions d'immigration, de radicalisation et de laïcité, être intraitable avec le communautarisme, mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. Un tel amalgame conduirait à la guerre civile, a notamment estimé Emmanuel Macron lors d'un discours à Toulouse. Julie-Marie Lecomte. Il s'en plaignait en privé, le dit Macron, ouvertement ses propos le 8 octobre sur l'île islamiste sur la nécessaire vigilance des Français ont été mal compris. Et en effet, à ce moment-là, dis-je, ce en quoi je